la centième édition du Tour de France. Et cette veille de Tour de France, c'est le jour choisi par Lance Armstrong pour faire son comeback, le Texan. Et dans une interview au Monde, qui sera publiée cet après-midi à Paris, vous allez découvrir certaines phrases assez fracassantes. « Je n'ai pas inventé le dopage », dit-il. Il ajoute « C'est impossible, regardez, de gagner le Tour de France sans se doper. Le Tour est une épreuve d'endurance où l'oxygène est déterminant. » Et puis il règle ses comptes, le Texan. Il flingue à tout va, notamment Jalabert. Mis en cause lui aussi il y a quelques jours pour une affaire de dopage. Avec tout le respect que je lui dois, dit-il, il est en train de mentir. Est-ce qu'aujourd'hui Armstrong est crédible dans ses déclarations? Est-ce qu'on peut dire à un type qui a tout volé, qui a tué, ce qu'il y a de plus beau en France, le Tour de France? L'époque Armstrong est rayée du palmarès. C'est cette personne qui s'exprime. Lance Armstrong dit dans Le Monde, qui sera publié cet après-midi, qu'il est impossible de gagner le Tour de France sans se doper. Que lui répondez-vous? Mais qui ne doit pas savoir ce que c'est que de faire du vélo sans en avoir pris. C'est tout. Je vais être très clair avec les auditeurs d'RTL qui nous écoutent, parce que vous m'avez prévenu avant cette interview. Oui. Vous êtes un homme très franc. Donc vous m'avez dit, je vous préviens, vous me posez la question du dopage, je raccroche. Alors je sais que vous n'allez pas raccrocher, parce qu'on va le faire en douceur, comme dit l'autre. Mais Lance Armstrong, il dit ce matin, il est impossible de gagner le tour sans se doper. Il ment? Mais lui, il a fait tous ses tours en étant dopé, donc il ne peut pas savoir ce que c'est que de faire du vélo en étant clair. Oui, c'est sûr que lui ne l'aurait sans doute jamais gagné sans dopage. Et le problème est peut-être dans le sport en général. Il y a des gens parfaits dans toutes les disciplines, il y a des tricheurs aussi dans toutes les disciplines. Il ne faut pas croire qu'il y aurait une sorte de muraille opaque qui séparerait les bons de tous les autres sports et les méchants du cyclisme. On souhaite très simplement que notre sport soit à nouveau mis en avant au travers des exploits des coureurs, des exploits qui sont sûrs, qui sont sains. Et ça n'empêche pas qu'il y aura peut-être encore des problèmes, mais il y en aura de moins en moins. Aujourd'hui, 95-99% du peloton est sain. On arrête d'en parler, là, aujourd'hui, parce que j'ai autre chose à faire que de parler que du dopage. Voilà. Ne vous fâchez pas, Bernard. Ne vous fâchez pas, voilà, mais c'est peut-être la moins bonne solution que de quitter un plateau alors qu'on pose peut-être des questions légitimes.